grâce et paix, bon Dieu, avec vous. Amen. 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 Pour nous ensemble, matin, pour nous méditer la parole de Dieu. Parole là qui c'est la vie. Parole là qui c'est une lampe. Parole là qui c'est lumière. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Invite au frère Maxime à l'ouvrir la Bible avec moi. Dans Hébreux, chapitre 13, le verset 6. Alléluia. C'est là que nous avons besoin de parole, bon Dieu, pour moi, pour nous capables de méditer sous thématique ça, assurance divine. Il dit, dans la version Louis II, il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Amen. Ma petite temps pour moi, partage avant quelques versions, parce que côté nos besoins arrivés avant là, il est important pour nous, partage avant différentes versions. Créole là-bas, nous le constat, comme ça, nous sommes capables de dire avec confiance, c'est bon Dieu qui vient aider moi. Moi, pas peur rien, qui ça moune qui a fait moi. Amen. Sinon, il est dans la parole de vie. Version parole de vie, il dit, alors, nous pouvons dire avec confiance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas peur. Aucun être humain ne peut me faire de mal. Et nouvelle Bible seconde, il dit, c'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur. Que peut me faire un être humain? Alléluia. Adorable Père Saint Jésus, Papa, nous qui sommes dans le ciel là. Nous te remercions pour parole et nous demandons t'en prie, bénis parole ça. Et permettre à ce que chaque petit tout qui l'a joigne une parole. Parole qui pour libérer, parole qui pour édifier. Et nous on va glorifier. C'est pour ça que nous prions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Assurance divine. C'est thématique ça, mes bien-aimés, que le Seigneur bon nous, pour nous démarrer. Deuxième partie, Anéa. Côté nous sortis dans distinction et honneur. Et le Seigneur, ben nous, assurant ça. Et le nous garder, mes bien-aimés, nous voyons que, pas gain aucun doute dans ça. Tout le monde, nous voyons que gagnons un cause folle. Tout le monde a cherché assurance. Dans tout domaine de la vie. Dans tout domaine, quel que soit domaine, non, mes bien-aimés, tout le monde a cherché assurance. Quel que soit domaine. Si nous t'apprenons à faire liste là, nous ne pouvons jamais finir. Tellement tout ça ou a fait aujourd'hui, il y a demandé pour assurer. Il y a demandé pour assurer. Ou besoin caillou, toute machine, la vie, santé, toute qualité, mes bien-aimés, relation mon ak moun, l'argent. Toute qualité ou besoin assurance. Gouvernement, la baille, la vente, la fête, toute qualité bagaille. Et particulièrement, mes bien-aimés, ou pral gade conviction tout à propos de bon Dieu, et conviction à propos de bon Dieu, à propos de l'homme, à propos de salut, à propos de spiritualité, tel que Jean-Noël, dans le Nouveau Testament, il décrit là, mes bien-aimés. Ou pral gade, mes bien-aimés, de quel côté, eh bien, ouais, il a parlé de, il a dit assurance, une version ouais qui parle de confiance, et ouais, l'autre version qui parle de courage. Mais je dis, au capable de dire qui ça assurance là même. Mais assurance là, mes bien-aimés, il a parlé de assurance. Nous disons, on cherche assurance dans tout le domaine. Mais il y a une signature, ça n'a pas l'eau là. Assurance, ça n'a pas l'eau là, li vini, li gen nom, li gen prénom, li pote ou signature divine. Donc, ça veut dire que gen assurance, toute assurance, c'est assurance, mais toute assurance, pas même. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Toute assurance, c'est assurance, mais toute assurance, pas même. Assurance divine, non, ça sont l'autre bagaille. Assurance qui sortit dans bon Dieu, ya, ça sont l'autre bagaille, mes bien-aimés. Et qui s'allie. Fondamentalement, assurance, dans mes bien-aimés, c'est qui ça, c'est en liberté et par rapport à doute, par rapport à un sentiment,
C'est une liberté qu'on gagne. C'est un sentiment de certitude que quelque bagaille est vrai. Son prend là, il est vrai. Il prend le rivé. Son bagaille qui prend le rivé. Ou bien, son certitude qu'on gagne que tout bagaille bien. Tout bagaille ok. Ça fait l'œil dit où. Comment y est? En pile fois l'œil au mando. Comment y est? Eh bien, haïtien, particulièrement d'où, réponse qui vini rapide là, eh bien c'est n'a boule. Moi, je ne pas boule. Ou pas candidat pour boule, ou pas cap dim ou à boule. Et ça fait tout le monde, eh bien, comment y est? Eh bien, d'où tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Donc, c'est que là, on a une assurance que ou ok grâce à Jésus. Ça faut prendre le des synonymes de mot ça, mot assurance, mes bien-aimés, qui consistait en qui ça, en des mots tels que chose certaine, son bagage qui est certaine, ça va menti la donne. Certitude, conviction, ça c'est des formules synonymiques, c'est des synonymes à assurance. Ça. Son chose certaine, son bagage qui pas menti la donne. C'est une certitude, ça son l'autre bagage quoi, son certitude, mais certifié que bagage ça correct. C'est conviction. Vous connaissez dans Light and Peace Ministry, ça c'est une nancé que nous camper sous lit, c'est conviction. Donc tout bagage ça yo mes bien-aimés, tout non ça yo que nous partageons avant là, yo signifie en fin de compte liberté par rapport au doute. Et comprendre dans Jean 8 32, la parole de Dieu fort connaît. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. La vérité vous rendra libre. Donc, l'aime qu'on vérité, à mes bien-aimés, ça peut mener dans l'assurance. Ça veut dire que nous avons liberté par rapport à tout ça qui est capable de mener doute dans la vie. C'est ça qui fait assurance, mes bien-aimés, ce n'est pas un concept étranger dans le Nouveau Testament. Dans acte 2, le verset 36, qui ça apôtre Pierre pral dit en entendant? Apôtre Pierre pral dit, mes bien-aimés, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, alléluia, avec certitude, que Dieu a fait, Seigneur, et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Vous entendez? Il dit, sache donc avec certitude. Ou pral wè, mes bien-aimés, yon ou lot, mou assurance lan, certitude la, li pote, jom te dou, ou, se sa yo chose certaine. Son bagay ki sûr, son bagay ki assuré. Donc, ou pral kopran, yon utilise concept sa, mes bien-aimés, pou protège kek bagay, ou bien pou protège yon moun, d'une manière sûre. Ça pas menti la donne. Ou a venu dans Acte 16 verset 23 tout et ou a venu dans Marc 14 verset 44 côté ou pral wè mes bien-aimés mot ça qui vini de verbe grec là asphalizou qui signifie garder. À partir de là mes bien-aimés et bien il pral développer sens qui ce qui est sûr et certain ou bien assurance. C'est à partir de là que il pral développer. Ou pral wè, fòm nominal kounye a mosa assurance la, ki vini kounye a suivant kontèks la, li pral mene ou nan fermeté, li pral mene ou nan verrouye fermement, Jean Nouel nan acte 5, le verset 23, li pral bon sûreté, li pral bon sécurité, Jean Nouel nan 1 Thessaloniciens 5, le verset 3, li pral bon tout certitude, vérité, selon Luc 1er, le verset 4, ou pral wè, le ap rapote la Théophile nan premier nan deux volumes qui traitait Jésus-Christ et qui traitait œuvre de Jésus-Christ, qui ça apôtre Luc, l'évangéliste Luc li pral dire nan Luc 11 le verset 4, il va de plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis dans Luc 1er dis-je les versets 1 à 4, les dieux accomplis parmi nous tels que nous les ont transmis, ce qui dès le commencement
en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude, c'est-à-dire, mes bien-aimés, la vérité exacte, avoir l'assurance. Ouais, avoir l'assurance. Jean-Louis Noël, non, grec là, Ajpagléa, des enseignements que tu as reçus. Donc, à partir, mes bien-aimés, de signification ça, et de utilisation de mots grecs ça, nous sommes capables de dire clairement des points qui correspondent à concept assurance, mes bien-aimés, eh bien, on prend le besoin, là, il y a un sentiment de certitude. Alléluia. Qui basait qu'on y a son témoignage écriture. Ça, qu'il y a Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, en ce qui concerne la vérité, parce que il y a tel sentiment, mes bien-aimés, de certitude ou d'assurance, il prend le bon qui ça, il prend le bon, il y a un sentiment de sécurité. Là, pour bon Dieu, avec vous. C'est ça qu'il faut gagner. Assurance. L'Éternel dit, moi d'assurance, lorsque, ouais, parole là, d'où là, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, alléluia, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? C'est sentiment de sécurité, ça qu'on gagne, mes bien-aimés. Il faut regarder plus loin. C'est un bagage que bon Dieu voulait que nous, rivé que nous gagnons. Et tout le monde qui est responsable, tout le monde qui est en champ, et surtout responsable, congrégation, yo, leader, yo, eh bien, il a utilisé vérité, mon Dieu, mes bien-aimés, en Christ, tel que yo joigné, tel que le révélé dans la Bible, là, pour veiller ça, pour veiller sur vérité, là, pour bien partager, proclamer bonne nouvelle, là, sans compromis, sans maquillage. Pour vous bailler parole là en toute vérité, avec ça dans la tête, yo, mes bien-aimés. Et ça fait, et Paul va l'écrit à l'église de Colosse, là, il va faire face à tout faux prophète, faux enseignement, hérésie qui a développé dans l'église là. Il parle de faux enseignement, ça, yo, il était sous pour vous miner, ouais, pour vous sauter. Assurance croyant, yo, quant à ça que vous te recevoir, quant à ça que vous te croyez. Au sujet de la personne et l'œuvre du Sauveur. Alléluia. Et ça fait, mes bien-aimés, vous parlez à l'apôtre Paul, vous parlez à l'eau, verset 1er, il va expliquer implication, Paul, et effort, mes bien-aimés, pour soutenir en faveur. Les sacs, je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Alléluia. Apôtre Paul parle de certitude là. Avec, il va l'enrichir l'amour. Il va demander pour unir dans l'amour et enrichir dans pleine certitude là. Ça veut dire que, mes bien-aimés, ça a besoin. Donc, c'est ça que fait jodi, hein, frère Maxime. Parole bon Dieu, living Dieu, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide. C'est avec un sentiment de sécurité. Ou pas aucun doute qu'on peut arriver à là. Ou libre par rapport à tout doute. Pour qu'on arrive à là, ou libre. À présence Christ qui est dans la vie, ou bien certitude ça. Ou bien assurance ça, que ou bien planté. Ou bien assurance ça, que ou en Christ. Et puisque en Christ, mes bien-aimés, ou mettez moun en défi pour yon vinn parce que c'est nos bocal qu'on caché. C'est nos ambassades qu'on yé. C'est nos tout fort qu'on yé. Alléluia. Et autour de vous même que vous avez tourné, mais pas capable de mettre mes sous. La paix, bon Dieu avec vous. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Donc, mes bien-aimés, connaissez bien. Vous avez plusieurs assurances. Vous avez toute une panoplie d'assurances. Et ça, les assurances du chrétien. Donc, prochaine fois, nous allons rencontrer, eh bien, nous allons entrer en détail dans toute assurance que ciel là-bas. Que toute assurance qu'on gagne dans bon Dieu. Nous avons payé pour petite assurance, mais ou même. Ou gagne une panoplie, sont ensemble, la Bible baou là, sont ensemble de assurances, ou bien c'est les assurances. Donc, prochaine fois, nous rencontrer, nous va élaborer, nous va entrer dans différentes assurances qu'on gagne dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse,
que bon Dieu garde yo, que bon Dieu protège yo, et que bon Dieu passe avec yo.